Yes, salut tout le monde, c'est Jean Bloqué, on se retrouve pour ce 10e épisode de la saison 1 de Merde City Skyline 2. Ouais, il y a des chiffres un peu partout. Et donc aujourd'hui, bon, on va continuer un peu l'évolution de cette ville. On essaye, hein. Beaucoup de problèmes financiers. Compliqué de trouver l'équilibre à l'heure actuelle. Donc on est actuellement sur un déficit de 155 000 par mois. En fait, j'arrive pas à trouver le juste équilibre pour ramener le truc. Je pourrais augmenter les impôts de certains, mais ils vont chialer. Il y a déjà des mecs qui pleurent pour les impôts élevés, mais qui, eux, même pas. Bah là, il y a personne. Ah, peut-être eux qui disent loyer élevé, là. C'est laquelle ? C'est eux qui disent loyer élevé ? Non, en fait, ils disent loyer élevé. On va voir. On va essayer d'équilibrer. Le problème, c'est que... En termes de fiscalité, qui venait se plaindre ? Ah, ils sont tous à... Ah, mais oui, il y en a qui chipotent ici, là. Hop. Vous voyez ? C'est toujours les mêmes qui viennent chialer, donc... Vous savez quoi ? Venez chialer. Je vous attends à la mairie, là. Je vous attends à 1v1, là. Ils vont chialer parce que les impôts sont trop élevés. Non, il n'y a que eux qui sont vraiment actifs. Non, ça va. Moi, je les attends à 1v1, la mairie. Hein. Bon, y a aussi un problème de couverture médicale. Ah ouais, c'est le problème. Hein. J'ai été obligé d'en poser un dans... Ça fait 105 000. Vous étonnez pas que j'ai des problèmes, en fait. Lequel qui sert à rien de tout cela ? Apparemment pas celui-là. Il est où le troisième ? Il n'y en a pas. En fait, si je venais à couper une, et tout ça, je pense que mensuellement, on est bien. Vous avez vu combien ça me coûte mensuellement, ça ? Ah non, c'est 47 000. Quoi ? Attends, et celui-là là-bas? 62 000. Ok. J'arrive à équilibrer à peu près avec ça. Le problème, c'est que on a besoin quand même. Voilà. Ça me coûte 45 000. Là, ça coûte 100 000. Là, ça coûte 205 000. C'est pas parce que je l'ai agrandi. Si, c'est parce que je l'ai agrandi. J'ai jamais dû l'agrandir à 55 000. Faut que j'arrête d'enflammer les trucs, là. Et vu le point négatif dans ce jeu-là, franchement, c'est un très gros point négatif. Et je sais pas si, entre deux, avec des mises à jour, ils l'ont corrigé, parce que moi, vu que j'enregistre à l'avance, et on est toujours le 4 novembre, j'ai déjà pas... je suis encore sur la version Game Pass, et on a toujours ce problème de... on n'a pas la mise à jour qui était sortie et tout ça sur Steam. Je pense qu'il faut attendre le mercredi d'après. Quand ils sortent une mise à jour le jeudi, faut attendre le mercredi d'après pour le Game Pass. Bah, en fait, s'ils ont rééquilibré ces trucs là mais ça, c'est une fonctionnalité qui devrait être de base, c'est de pouvoir enlever des trucs. Genre, j'ai ça et je dis non, je le défais parce que... Bah, parce que j'en ai pas besoin ou quoi que ce soit, vous voyez. J'ai flingué les finances de ma ville avec ça. Parce que si j'ajoute ces 20 000 là, là c'est 20 000. Et imaginez là, c'est 55 000. Donc vous enlevez tous ces trucs là. Bah, au financier mensuel, je suis dans le positif. Et vu que j'ai voulu avoir voir trop grand et tout ça, bah...
Après, il y a aussi le quadrillage de la poste, mais que j'ai jugé nécessaire. Parce que j'ai voulu mettre des bureaux de poste vraiment dans tous les coins. Vous voyez? Pour couvrir un peu, pour éviter d'avoir des problèmes, si même si les problèmes commencent à se créer. Ça, ce serait cool que les. Ah ben les commerces, je vais peut-être baisser les impôts en vrai. Les commerces, on va peut-être baisser les impôts. Ah pourquoi baisser les impôts là, alors que je pleure qu'on est en déficit? C'est parce que ce serait bien qu'il y ait des nouvelles demandes. Vous voyez? Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Il y a des impôts élevés. On va taxer la ville, vous allez voir. Voilà. Impôts élevés. Toujours les mêmes qui vont chialer. Désolé, mais la ville, elle a besoin de survivre. Alors, comme j'ai dit, pourquoi? Parce que ça va créer des nouveaux trucs. Peut-être que la masse va compenser le problème financier. Voilà. Pas le choix. Hein. Là, j'ai des zones un peu cracra. Alors, est-ce qu'on va faire ça? J'essaye de voir. Non. Je vais partir d'ici parce que je trouve que ça devient le bordel un peu en partant de l'autre côté. Oh, c'est pas mieux. Là, c'est censé être optimal, mais que sur du plat en vrai. Ça va, ouais, c'est pas si terrible que ça. Mais le problème en ayant augmenté les impôts là, parce que j'ai augmenté les impôts. C'est que je pourrais avoir moins de demandes. Vous savez quoi, vu la catastrophe que j'ai depuis tout à l'heure. Hop, voilà. On n'en parle plus, c'est horrible. Voilà. Je pense que je vais tenter un truc. Il y a pas mal de demandes, ce serait cool de pouvoir enfin les combler. Hop, voilà. Ici, on pose des maisons. Il commence à avoir de la demande d'industrie, mais il y avait déjà des cases libres. Donc, c'est en train de se construire, c'est parfait. Pour l'instant, l'équilibre financier n'y est toujours pas. Hein. Alors que tout le monde se plaint sur les impôts. Bon, je pense que de toute façon, foutu pour foutu, il va falloir combler quelques lacunes de la ville. Hein. Je vais pas avoir trop le choix. Je pense que là, vu qu'il y a des risques, on va les mettre ici. On va en mettre une ici. Tant pis. Hein. Ah, je peux pas être en mode oui, je fais. Faut que je fasse attention aux finances et tout ça. Le problème, c'est qu'en essayant de faire attention aux finances, on développe rien dans la ville, quoi. Parce que t'as les gens qui votent là en mode « Ouais, mais en fait, y a pas de couverture médicale, on n'y arrive pas. » Il y a le truc aussi de la criminalité que... Bah, j'ai résolu. C'est bon, c'est nickel. On est à 3% de criminalité. Il y a 4 crimes par mois commis. 25% de réussite. Wow. Est-ce que au niveau de tripostal ça passe mieux là? Non, ça... Alors par contre niveau couverture internet, comment dire?
Bah, l'herbe est plus verte ailleurs. On va essayer de couvrir en positionnant là. Parce que là, ça devient un petit peu critique. Après, ça va, c'est pas ce qui va tuer les finances. Hein. C'était déjà mort avant. Alors ça, on va l'amplifier. Il y aura plus de portée. Voilà, et on va booster. Comme je l'ai dit, c'est pas le truc qui va détruire la ville financièrement, donc... Alors moi, ce qui me fait délirer, c'est toujours le même délire, c'est qu'en fait, ils disent « Oh, on veut une grosse demande de logement, tu fais un truc là, le long de la ligne, il y a deux bâtiments qui se font, et ils vont être là en mode « Bah non, non, en fait, finalement, ça nous intéresse pas. Ah. » Ça se construit au fur et à mesure là-haut, c'est cool. J'avais fait la zone là, pas besoin de faire d'agrandir la zone pour l'instant. Le problème, c'est qu'on a des bâtiments vides ici. Il n'y en a que deux vraiment qui tournent. Non, un. En fait. Pas assez d'employés. Le problème, c'est qu'ils ont besoin des employés qualifiés de ce côté-là. Quand tu regardes, on n'a pas de. On a pour l'instant 20% de personnes sans instruction. Oh. Et pourtant, on n'a pas de. On n'a pas une grosse couverture. Hein. En fait, je pense que je vais faire un truc. Hein. Peut-être que je vais casser cette école-là. Elle aura moins de trucs, mais elle coûtera moins cher. Parce que là, elle coûte 45 pins par mois. Mais parce que j'ai ajouté un truc, elle dit... Ah non, c'est juste 10 000. Oh, ok, bon. Il va falloir faire une autre école. Hein, pour faire pour la couverture. Hein. On va la faire comme ça, non ? Peut-être ici, non. Un truc vers là, ouais. Je sais pas, je cherche l'endroit. L'endroit parfait, peut-être là, ouais, tiens. Voilà. J'ai ma réponse. Là, ils ont besoin d'une école, on va essayer de combler, non? Ah, il y a beaucoup de problèmes scolaires de ce côté-là, donc... pas grave. J'allais détruire l'école primaire, mais bon. Là, à l'heure actuelle, c'est impossible. D'arriver à être dans ses frais dans cette ville-là. Voilà. Allez, je vais pas jusqu'au bout parce que je voulais faire un truc où il y a trois zones ici. Mais est-ce qu'ils se plaignent qu'il y a des petites maisons? Parce que généralement, il y a un problème, c'est... Ils sont heureux, mais manque de divertissement. Oh, il n'y a pas des parcs dans votre coin, là? Le fun, il est où? Ah, il n'y a pas de fun ici. Ah oui, non. Une petite place là, comme ça ils sont un peu mieux. Oh, parc à chien. Il faut arriver à couvrir le plus de... J'avais montré dans un précédent épisode, il fallait vraiment bien couvrir le truc. Et sinon c'est le bordel. Il faut avoir un équilibre à peu près parfait, quitte à sacrifier des maisons, tu vois. Tant pis si tu sacrifies des maisons. Vous voyez?
Il y en a un qui va te dégoûter parce que tu as cassé sa maison. Mais c'est pas grave. Ils ont plus de bonheur. Après, là-bas, c'est que, comme vous le savez, c'est vraiment l'endroit où on s'en fout. Ouais. Même s'ils sont contents que tu leur mets un petit parc. Bon, pour l'instant, les appôts élevés sont dans toutes les bouches. Je pense que... Après, si je leur baisse les impôts d'un peu, là, ils sont pas en mode... Ok. 12% c'est mon dernier prix, les gars. Hein. Je vais... De toute façon, le problème, c'est que si j'ai pas assez de commerce et tout ça, à quoi ça sert? C'est pareil, si j'ai rien en termes si j'ai rien pour financer en fait c'est toujours le même problème. Oh là non, il y en a toujours un qui trouve que les impôts sont élevés, mais j'essaie d'avoir le bonheur de ma ville au max en vrai, hein. Ça fait tellement longtemps que... Ah ouais, par contre, je me suis assis sur un aspect financier de ma ville, là. Oh, je vois pas comment je vais m'en sortir. Tant pis, hein, je fais des sacrifices financiers, mais si c'est pour améliorer la possibilité de nouvelles arrivées, on va le faire. Tant pis. Hein. On perdra combien? 370. Mais à contrario, on va pouvoir avancer et ajouter plus de bâtiments. Je le mets au max possible. Voilà, ouais. Parce que là, c'est en train de construire. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est que là il y a des mecs qui sont en train de construire. Donc qui dit plus d'industrie. Donc je vais me mettre là. Voilà. Parce que là, j'ai beaucoup de demandes d'industrie, donc... Voilà. Pourquoi pas combler? En fait, on va appliquer la politique de la masse. Plus il y aura de monde, mieux ce sera. Ah oui, je pense qu'à l'heure actuelle, le niveau couverture... de certains trucs comme les corbillards, ça devient un peu chaotique. Oula, je pense qu'un petit crématorium dans le coin là juste derrière, ça pourrait le faire. Ça aiderait. Qu'en fait, vous voyez, on va arriver à créer des demandes par-ci par-là. Il va y avoir des nouvelles constructions ici. Et on va pouvoir avoir plus de demandes. On va être obligé de politiquement fonctionner comme ça. Si je tente à chaque fois de vouloir juste soutirer du pognon
aux habitants, on va pas s'en sortir. Et pas qu'aux habitants non plus sur cet aspect-là. Si je pars dans le principe de tout le temps faire cet aspect-là même pour les entreprises. Hein. Vous voyez, regardez tout ce que j'ai agrandi ici pour que les entreprises viennent. J'ai juste en ayant baissé les impôts. C'est juste dingue. Hein. Bon, après, il faut faire attention parce qu'il y a des trucs qui connaissent. Les impôts. Alors, les impôts sont encore un problème. Ok. Je vois vers où ils veulent tendre. Voilà. Logiquement, en faisant ça... Non. Par contre, ne faites pas chier avec les impôts. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, je vais pas vous taxer... Vous taxez moins que les... Et il y a de la demande hein, en faisant ça. Et je suis à 400 000... En vrai, je peux pas être en... Si les mecs, ils chialent alors que je leur ai mis un pourcentage plus avantageux... Non. Démerdez-vous. Je vous mets à... Ah, comme ça, c'était très bien. On flinguait pas l'économie totalement de la ville en faisant ça. Non, mais parce que à force, si les mecs sont là en mode « Oui, alors nous, on veut moins d'impôts, tatati », c'est bon, quoi. JPP, quoi. Tu veux que je fasse tourner la ville comment, mec, si je suis obligé de faire payer moins d'impôts que les contribuables, parce que c'est surtout ça, le truc. C'est arrivé à des chiffres sûrement en dessous... Bah là, je peux pas faire le truc, là. Le 144, il arrive dans l'eau. Tant pis. On va le faire comme ça, là. Voilà. 90 et on fait un petit 144 par là, 144 des familles. Ouais, faut pas que j'aille flinguer l'eau non plus. Parfait, tant qu'il y a de la demande, on est bien. Voilà, et ici il va falloir faire quelque chose. Bah après, juste à faire 2-3 trucs comme ça, là. Et... Petite maison dans le coin, là. On a déjà fait un truc, là, pour corriger un peu. Bon. Le 644 là. Voilà. Alors là, par contre, il va falloir vraiment que j'aplanisse. Hein. Parce que je pense que... Le problème, c'est... Bon, allez, ça, dès que ça frise un petit peu là le jeu, c'est parce que j'ai la sauvegarde auto d'activer en fait. Je vais essayer d'éliminer la grosse boss ici parce que sinon ça va me flinguer un peu le coin. Oh, vraiment, je pensais pas être en galère financière dans cette série. En fait, c'est que je suis parti trop vite. En fait, ça serait équilibré quand la ville aura dépassé un certain cap en termes de finances, vous voyez. Mais là, à l'heure actuelle... Attends, c'est bien là... Ouais, faut faire attention ici. Hein,
truc, c'est que j'aurais bien fait ça, mais en fait, c'est comme d'hab, hein. Faire un truc, ça fait n'importe quoi, hein. Vous voyez? Le truc, c'est que je suis parti d'une base par ici et... Après, on fait un truc comme ça où on a planifié un peu ce qu'on a fait parce que ça fait dégueulasse. Voilà. J'ai planifié bien un peu parce que voilà. Parfait. Bon, enfin, presque parfait, hein, bien sûr. On peut pas faire mieux. Bonjour. Tant pis, hein, c'est pas parfait maintenant. Alors je sais que ça fait pas une ville très belle, hein. Je suis conscient, les gars. Mais ça fait une ville fonctionnelle. Et moi souvent c'est le fonctionnel qui prime. Oula. Plénissement, dégagez-moi tout ça, on n'en parle plus, voilà, ça fait un peu moins dégueu. Ah, j'essaie de faire un truc assez propre. Hein. Vous avez vu la gueule du propre là? Fais attention au chrono parce que si à chaque fois je fais des épisodes qui font largement plus de 30 minutes. Ça n'a rien de dire, ouais, j'ai rajouté 5 minutes alors qu'en vrai j'ai rajouté bien plus. Alors ça va pour un épisode ou deux, mais quand t'enchaînes tous les épisodes comme ça, bon, en fait, on va pas se mentir, le jeu est très prenant. Pour ceux qui y jouent, vous êtes d'accord, dès que tu mets le nez dedans, ça y est, c'est foutu, hein. Sur 42? Ah, mais ça doit être à cause de la montée. J'aurais des villes plates, moi. T'as pas ton truc qui est censé être optimal, flingué par X ou Y. On est à 800 000, hein. Ah, il y a de la demande, je comble, hein. Pour l'instant, on a une voiture qui s'est encastrée là-dedans. Pourquoi pas? Eh, ça commence à construire des trucs ici. Hein. Par contre, je suis blindé niveau industrie. C'est horrible. Mon incinérateur, il produit pas assez de. Je trouve qu'il produit pas assez de courant pour la ville. Donc je pense qu'on est encore en galère financière là. Vous voyez? En plus, on a grandi la ville, donc ça demande beaucoup de ressources. T'as mais il y a une catastrophe niveau corbière là. Il y a encore de la demande. Hein. Je vais être obligé de combler la demande. Hein. Mais en fait, c'est que je veux pas. Oula! Hautement qualifié! À un moment donné, on va être obligé de taper dans l'université. Hein.
Ne cache pas que. Alors là, on va déroger à la règle parce qu'on n'a pas trop le choix. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je fais ça, je touche. Donc on va quand même faire des industries dans le coin, mais pas dans les carrés préétablis. Je serais bien parti sur le sur l'usine à gaz, en vrai. Je vous mens pas. Parce que je me dis que quand même, il y a peut-être une possibilité où bah, le truc il est énorme. Donc je peux pas le caler par rapport à là. Mais en fait, je me dis qu'il y a une possibilité où on est capable de produire de l'électricité avec. Et assez d'électricité pour la revendre. Ce qui pourrait nous permettre. Mais d'un autre côté, je me dis, le problème c'est 625 000. On a vraiment du mal à être dans le positif. Constamment, donc je pense que à l'heure actuelle, on va éviter. Voilà, on va construire des jolis bâtiments, des jolies entreprises par là. Bon, ce qui est dommage, c'est que j'arrive plus à construire dans ce coin-là. Même réserver le truc pour les bâtiments. Voilà. Mais c'est ça le problème, c'est que financièrement, et je suis à chaque fois dans le bordel. Mais on va s'arrêter là. Est-ce qu'on avait des. Non, on gardera les 10 000 habitants pour les prochains épisodes. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On arrive à la mi-saison en plus, là. Oui, je pense que je vais faire 20 épisodes, ce qui permettra peut-être de revenir plus régulièrement sur le jeu. Parce qu'on va finir l'année dessus, et peut-être qu'on reviendra l'année pour. Pas la finir l'année dessus, mais. Ah, quoique si, en vrai. Mais on fera une année juste en 2024, on ira dessus, c'est sûr. En tout cas, bah, merci d'avoir suivi cet épisode. Moi, je vous donne rendez-vous bah, dans 2 jours pour un nouvel épisode. J'espère que celui-là vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir. Parlez-moi les habitudes, le like, le commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Ciao, bye bye.